Mais c'est pas un obstacle non plus que de prendre un autre prénom, de faire ses allers, pour faire ses allers-retours. C'est pas un obstacle, le fait de choisir un autre prénom, ça n'est pas un obstacle à cet exercice-là. Moi, ça me gêne pas de, même si je m'appelle Antoine dans le film, ça me gêne pas de faire des allers-retours avec des attitudes ou des situations que je peux avoir dans la vie. Ça me gêne pas de le faire. Mais d'identifier le rôle, le prénom, c'est quelque chose quand même. Donc j'ai un peu comme Jérôme, j'ai pas envie de, ça signifie trop de choses pour moi. Et j'ai envie déjà de me... C'est un premier travail d'évacuer ça pour se plonger dans... C'est comme ça que tu prépares comme comédien pour tes rôles. J'ai pas de recette particulière, mais en tout cas, j'avais pas envie de prendre cette voie-là. Est-ce que en fait, vous qui... Non, mais en plus, d'autant plus, moi, Irène et moi, on est quand même Irène et Jérôme. On est déjà une entité, enfin. Donc, cette entité-là, dans un film, c'est un peu bizarre, hein. Peut-être aussi, peut-être c'est ça qui a fait. Bah, et justement, écoute, donc explique un peu la situation de que t'es bah, dans la vie. C'est ma femme, Irène. C'est ma femme, c'est ma meuf. Donc, il y a déjà un Irène et Jérôme qui existent. Donc, dans un film, d'avoir des Irène et Jérôme dans une situation très différente, ça aurait été bizarre, ouais, je crois. Parce que dans la vie, Irène est dans ta femme. Ouais. Et dans le film. Je suis son amant, c'est lui son mari. C'est lui le cocu. Et ça t'a rendu parfois jaloux Non, je sais faire la part de... Non, sinon il aurait fallu que je sois jaloux très très souvent quand même. Non, je sais faire la part au cinéma entre le film. Justement, peut-être si ça avait été Irène et Jérôme et Jean-Marc, peut-être ça aurait été un peu plus troublant en fait. Non, là j'étais pas jaloux du tout. Non.